Bien, donc à l'issue de ce moment, donc entre deux tours, les joueurs ont décidé et positionné les changements. Ils ont payé les ressources nécessaires à ces changements. Donc le rôle du meneur de jeu, c'est bien sûr d'animer ce moment, mais aussi de veiller à ce que les joueurs payent effectivement les ressources nécessaires à leur changement. Une fois que ces changements ont été effectués, hein, donc ils sont visibles sur le plateau sous la forme des cartes, hein, des jetons temps supplémentaires qu'il va falloir fournir, eh bien le deuxième tour peut commencer de la même manière que le premier tour avait commencé, c'est-à-dire par le tirage au sort de l'état initial dans l'herbement.